du temps. Le premier signe apparaîtra dans les cieux. Et la justice tombera sur le monde des hommes. Et les armées de lumière et d'ombre s'affronteront par-delà l'éternité. Descartes, c'était juste un cauchemar. Rentrons à la maison maintenant. Et il me reste tant de travail. Si ces traductions sont correctes, les forces des enfers pourraient déjà être en chemin. Il faut prévenir le monde de l'arrivée des ténèbres. N'est-ce pas, Léa ? Voilà le premier signe. Laisse ça ! Vite ! Il faut partir !
Je me lasse des combats ineptes dont je rêvais autrefois. Je marche seul, solitaire. Pendant que ma tribu maudit les dieux qui nous ont abandonnés. Nos foyers sont en ruine. Mais je ne fléchis pas. Il y a 6 jours, l'étoile est tombée sur la ville de Tristram. Les morts se sont relevés dans son sillage. Quel est ce maléfice? Serait-ce enfin, après de si longues années, un ennemi digne de ma lame? Cet endroit empeste la mort. L'étoile n'est pas loin. Je cherche l'étoile tombée du ciel. Elle est tombée sur la vieille cathédrale. Léa est la seule qui a survécu à l'impact. Vous devriez aller la voir. Capitaine Rumford, il y a d'autres morts qui arrivent. Impossible d'ouvrir les portes avant d'avoir repoussé l'attaque. Ils reviennent partout. Je gagne en puissance. Je n'avais encore jamais vu personne se battre comme ça. Garde, ouvrez les portes! Vous trouverez Léa à l'auberge du veau égorgé. Brûle vite les cadavres avant qu'ils se relèvent. Je suis venu ici pour étudier la chute de la vieille Tristram. Mais je n'ai jamais demandé à revivre tout ça d'aussi près. Je suis venu ici pour étudier la chute de la vieille Tristram. Mais je n'ai jamais... Zakaoum est tombé... Par la grâce des anciens, puisse la vertu réchauffer vos âmes et les mener à la gloire. J'ai un paquet d'affaires intéressantes pour vous aujourd'hui.
vous interdit de lever le petit... Les morts, ils sortent de leur tombeau. C'est la fin du monde. C'était un endroit si agréable avant. Ma famille vit ici depuis que la ville s'est construite sur les ruines de l'ancienne Tristram. Mais aujourd'hui, c'est horrible. Les proches que nous avons enterrés et pleurés reviennent pour nous tuer. Vous venez nous aider ? Les autres aventuriers que j'ai vus passer n'avaient pas l'air aussi dangereux. Les gens racontent n'importe quoi. Ça peut pas être juste un caillou qui est tombé du ciel. J'ai encore jamais vu un caillou. Vous êtes Léa ? Rumford dit que vous avez survécu à la chute de l'étoile. C'est vrai. Mais mon oncle Descartes Kane a été précipité dans les profondeurs de la cathédrale par l'impact. J'ai essayé de le retrouver. Mais les morts commençaient déjà à se relever. J'ai couru jusqu'ici pour ramener la milice, mais... Attention ! Les blessés se transforment ! Plus de fureur ! C'est pas bon pour les affaires, ça. Si rien n'est fait, les morts vont tous nous massacrer. Je vais les renvoyer dans leur tombe. Je sauverai votre ville. Merci. Vous devriez aller voir Rumford à l'entrée de la ville. Il pourra vous donner des détails. Bienvenue à l'auberge du veau égorgé. Apportez-moi tous les trésors dont vous n'avez pas... La ville est assiégée depuis 6 jours. Oncle Descartes n'est toujours pas revenu. Le capitaine Rumford et les autres commencent à perdre espoir. Je leur dis de garder la foi, mais si personne ne vient vite nous aider... Des héros se battent en duel dans une arène pas loin d'ici. Ça vous intéresse ? Oh, et je ne vous ai rien dit, hein ? Vous avez peur d'abîmer votre armure ou vos armes ? Rassurez-vous, ça n'arrivera pas. En fait, personne ne meurt jamais. C'est vraiment décevant. Cognez-en un de ma part. J'avais promis à Marco de le protéger, et il est mort. Les miliciens sont partis, et seul Rumford est revenu. Comme le berger veille sur son trou. Les morts sont une véritable calamité depuis que cette maudite boule de feu est tombée du ciel.
Il faut tous les brûler, juste pour être sûr qu'ils ne se relèvent pas. Que pouvez-vous me dire sur Léa et son oncle Descartes Kane ? Pas grand-chose, j'en ai bien peur. Ils sont arrivés ici il y a presque un an. Elle veille sur lui tout en aidant les gens de la ville. Lui, il a passé le plus clair de son temps dans la vieille cathédrale. Il cherchait des vieux manuscrits, à ce que j'ai compris. Ils étaient dedans quand le feu est tombé du ciel. Elle a de la chance de s'en être tirée. Comment puis-je aider à combattre les morts ? J'admire votre courage, mais le capitaine Daltine et toute sa milice ont été massacrés par les créatures. Je suis le seul survivant. Vos guerriers seront vengés. C'est vrai, je vous ai vu vous battre. Bon, attaquez-vous aux mères de misère et à leur reine. C'est elle qui vomit ces horreurs. Ils s'en prennent à la barricade ! Pas assez de fureur. C'était une des mères de misère. Il y en a d'autres qui rôdent dans les vieilles ruines le long de la route. Veille sur mon destin.
Que tous les dieux soient loués. Griswold, béni soit son grand cœur, a tout risqué pour ramener notre cher petit de la cathédrale. Il reste choqué et ombrageux, mais je suis certaine que ça lui passera vite et qu'il redeviendra bientôt le gentil Wert que nous aimons tant. Il faut encore attendre. Pas encore. Ce n'est pas encore prêt. Pas encore. Il faut encore attendre. Je dois trouver la fureur. Ce n'est pas encore prêt.
la vieille Tristram. Diablo en personne est passé par ici. Pas encore. Gagne en puissance.
Merci pour votre aide. Mais est-ce que vous pourriez m'aider à raisonner Léa? Elle s'entête à vouloir aller au secours de son oncle. Elle ne doit pas renoncer. Je vais l'aider à le trouver. Dégagez le chemin. Je veux passer. Comment osez-vous me parler sur ce ton? Je suis le maire de la ville. Et pourquoi essayez-vous de partir? Vous êtes cinglé? La ville est foutue. Si vous avez la moindre miette de bon sens, vous ne traînerez pas dans le coin. Bon, alors, vous m'aidez? Non. Pour l'instant, c'est en ville que les lâches seront le plus en sécurité. Venez, allons chercher votre oncle. Il faudra commencer par ouvrir la cathédrale. Les miliciens l'ont verrouillée avant d'être pris en embuscade. Rumford m'a dit qu'ils avaient réussi à se frayer un chemin jusqu'à la cabane d'Adria. La clé est sûrement restée là-bas. Et il était par la grâce des anciens. C'est vraiment triste pour cette fille. Pour nous tous. Mais Léa doit accepter la mort du jour. Personne ne survit longtemps à tout ça. Attendez, je vais ouvrir le portail. Adria était ma mère, mais je... Je ne sais rien d'elle. Elle est morte quand j'étais toute petite. C'est oncle Descartes qui m'a élevée. Et votre père? On m'a dit que c'était un grand guerrier, et qu'il a disparu quand Tristram a été envahi par les démons. Il faut encore attendre.
Regardez, un accès caché. Suivez-moi. Votre mère avait ses secrets. Il y a des gens qui disaient que c'était une sorcière, mais je n'y ai jamais cru. Ce n'est pas encore prêt. Il faut encore attendre. Voilà la clé, et le journal de ma mère. Ce que j'en ai lu est dérangeant. Je veux en apprendre plus sur elle. Mais ça peut attendre. Il faut d'abord sauver Oncle Descartes. Je m'en occupe. Restez ici et essayez d'en apprendre davantage. Merci. Aidan est venu me voir la nuit dernière. Je me doutais de ce qui tourmentait son esprit troublé. Je l'ai réconforté du mieux que j'ai pu. Quoi qu'il en soit, où qu'il aille, l'enfer le suivra à la trace. Les ombres se referment une fois encore sur Tristram. Mais tout comme Aidan, je serai partie avant qu'elle n'ait tout englouti. Mon oncle a longtemps évité de revenir ici. Il y a trop de fantômes qui l'attendaient. C'est ici que Diablo avait rendu fou le vieux roi Léoric et commencé à terroriser la population. Je sais pas ce qui s'est vraiment passé ici, mais manifestement, ça a été épouvantable. Presque tous les survivants sont devenus fous. Comment votre mère a-t-elle trouvé la mort ? Eh bien, c'est pas très clair. Mais je sais qu'Adria était obsédée par l'étude des arcanes. Elle savait qu'elle ne pourrait pas élever un enfant. Oncle Descartes pense que la folie et les horreurs qu'elle a vécues ont fini par la rattraper. Ce n'est pas encore prêt. Encore une âme en peine. Pas encore. La cathédrale de Tristram. L'étoile est dedans.
c'est là qu'est tombée l'étoile. N'est pas encore prêt. Pas encore. Il faut encore attendre. C'est verrouillé. Le royaume oriental du Khégistan. On parle à mots couverts de guerriers du Zakaroum, appelés les Croisés. Même si les autochtones sont extrêmement évasifs à ce sujet, j'ai pu déduire qu'il s'agit d'un ordre fondé il y a 200 ans, lorsque Rakis est parti vers l'ouest avec son armée de paladins. Mais ces Croisés prirent la route de l'est avec une mission très différente. Il faut encore attendre. Je deviens redoutable. Pas encore. Meurs ! Il faut encore attendre. N'est pas encore prêt. Les recherches montrent qu'un prêtre haut placé du Zakaroum, appelé Akan, avait commencé à sentir la corruption qui rongeait le cœur de son église. Il savait que cette corruption finirait par en causer la perte. N'est pas encore prêt. Et qu'il devait agir en conséquence. Après de longues prières, Akan finit par avoir l'idée de fonder un ordre de croisés. Il faut encore attendre. Ah.
corps. Faut encore attendre. Au secours! C'est entré en moi! C'est... Ce n'est pas encore prêt. Akran rassembla les adeptes du Zakharum les plus pieux, déterminés et les plus martiaux qu'il put trouver. Il leur apprit à canaliser la puissance de la lumière, comme l'apprenait le nouvel ordre des paladins. Mais ces recrues, ces croisés, pas encore, pas assez de fureur. La puissance primordiale du Zakharum, comme jamais un paladin n'en avait connu. Mon nom est Lagdanan, et je suis maudit. Jadis capitaine de l'armée du roi Léoric, je ne vivais que pour l'honneur de mon souverain et de mon pays. Nul homme ne nourrissait plus grand amour envers son roi que moi, même à l'heure où je plongeais mon épée dans son cœur noir et corrompu. C'était l'œuvre de Lazare, j'en suis certain. Lui seul avait l'oreille du roi, et il murmurait d'une magie sombre et maléfique, instillant le spectre d'une attaque imminente venant de l'Ouest Marche. Trop quoi pour oser s'élever contre l'archevêque, les conseillers se rangèrent obséquieusement à ses mensonges, et signèrent notre arrêt de mort. Les anciens me donnent la force. Retourne en enfer, monstre.
Immonde vermine, n'approchez pas! Arrière! Pourvu que ça tienne. Le roi squelette? Le pouvoir de l'étoile m'a éveillé. Bientôt tous souffriront comme j'ai souffert. Garde! Rapportez-moi ces ossements! Faut encore attendre. Plus de fureur. Je n'ai pas encore prêt. Merci. Mais pourquoi avez-vous risqué votre vie pour moi? J'ai besoin de vos lumières, Descartes Kane. Léa sera heureuse de vous savoir en vie. Léa est saine et sauve, c'est merveilleux. Je craignais le pire. Je ne peux pas l'ouvrir. Parlez de cette étoile. Suivez-moi jusqu'à Tristram. J'ai honoré ma promesse envers Léa et sauvé Kane. Seul le roi squelette, dont l'ombre plane à nouveau sur Tristram, se dresse encore sur le chemin de l'étoile. Oncle Descartes, tu es vivant! C'est grâce à toi et à ton ami. Le temps presse. Que pouvez-vous me dire sur l'étoile? Peu de choses, je le crains. Même si la prophétie la désigne comme un signe annonciateur de la fin des temps. S'il te plaît, oncle Descartes, assez d'histoire. Ce qui compte, c'est que tu sois revenu. J'ai passé le plus clair de ma vie à voyager avec mon oncle, à aller d'un endroit à un autre pour ses recherches insensées. Quel est le but de ses recherches? Il est convaincu que les forces des enfers vont envahir notre monde et apporter... et la fin des temps. Depuis toutes ces années,
Ils recherchent un moyen d'empêcher cette apocalypse. Qu'avez-vous appris sur votre mère ? Elle n'était pas de Tristram à l'origine. Elle est venue ici pendant les troubles. Elle était à la recherche de quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Elle me rappelle mon oncle Descartes, obsédé par la guerre entre les anges et les démons. Le roi squelette fut jadis Léoric, notre souverain bien-aimé. Il a sombré dans la folie à cause des maléfices de Diablo. Il a perdu ses deux fils, et jusqu'à son âme, avant d'être enfin vaincu. Et maintenant, il semblerait qu'il soit ressorti du tombeau pour tourmenter ce pays encore une fois. C'est une bien triste histoire. Mais je cherche l'étoile tombée du ciel, et il se trouve en travers de mon chemin. La clé de sa défaite est dans son ancienne couronne. Allez trouver Edrig, notre forgeron. Il sait ce qu'elle est devenue. Léa, tu ne devrais pas... Quand Léa nous a dit qu'une marée de morts vivants arrivait de la cathédrale, on est vite parti pour mettre fin à tout ça. Au début, on pensait avoir le dessus, mais il en arrivait de partout. On a été submergés. Le capitaine Daltine et tous les hommes se sont battus comme des lions. Ils m'ont protégé. Moi, je ne suis pas un soldat, je suis... Enfin, j'étais un fermier. Je n'aurais jamais dû être là-bas avec eux. Je ne sais pas comment j'ai réussi à m'en tirer. Aucun des autres n'en est revenu. Et maintenant, je ne sais pas trop comment non plus je me retrouve à devoir diriger la milice. Je me suis porté volontaire parce que ça semblait être la bonne chose à faire. Mais je n'ai pas l'étoffe d'un meneur d'hommes. La peur vous habite. Pour mener les autres, il faut trouver la force en vous. Facile à dire pour vous. Vous, vous êtes né pour affronter des monstres comme les morts-vivants. Mais moi, je ne suis qu'un fermier. Tout ce malheur est dur à porter. C'est pour Edrig, le forgeron, que je m'inquiète le plus. Sa femme a été blessée, et c'est lui qui est chargé de s'occuper de ceux qui pourraient se transformer. Ce n'est pas la première fois que cette malédiction touche sa famille. Son grand-père était le chancelier du roi Léoric, et il a été tué quand le mal s'est abattu sur Tristram il y a 20 ans. Soyez bénis d'avoir sauvé des cadavres. Alors, c'est comme ça que ça va finir, hein? Ils ont poussé mon chariot de la route. Mais à quoi bon? Impossible de le réparer. Je suis le dernier des Horadrim. Oh, il n'y a pas si longtemps que je peux revendiquer cet héritage. En fait, si je m'étais ouvert plus tôt au savoir Horadric, Diablo aurait pu être arrêté avant de commencer son règne de terreur. Ne croyez pas ça. Quand les premiers signes sont apparus, je n'ai rien fait. J'ai balayé les vieilles légendes comme si elles n'étaient que des histoires à dormir debout. Et c'est Tristram, non, c'est le monde entier qui a payé le lourd prix de mon arrogance. J'ai tenté de réparer mes erreurs. Léa et moi avons passé le plus clair de sa jeune vie à écumer le monde pour rassembler des passages de la prophétie de la fin des temps. Si je peux la déchiffrer, nous aurons la clé de la victoire sur les seigneurs des enfers. Le lien qui vous unit à Léa semble fort. Je ne sais pas ce qu'aurait été ma vie si je ne l'avais pas eue. Oh, ça n'a pas dû être facile pour la pauvre Léa. Suivre un vieillard dans sa folle quête des secrets qui permettront de terrasser les seigneurs des enfers. Et même en ayant vu bien des choses propres à vous glacer le sang, elle n'est toujours pas convaincue par ma quête. Oh, je la comprends. Elle n'a pas été confrontée à Diablo et à ses frères. La prophétie de la fin des temps
se trouve dans les écrits Oradric que j'ai hérités de mon ancêtre Jéret Caïn. C'est un avertissement à ceux qui pourraient l'entendre sur l'ultime invasion de notre monde par les enfers. Elle a été écrite par de nombreuses mains de tous les horizons et de toutes les ères. Toutes les versions connues de la prophétie sont incomplètes. J'ai passé une grande partie de ces 20 dernières années à tenter de la reconstituer. Je suis certain qu'elle nous dira comment vaincre les seigneurs des enfers. C'est Diablo qui a poussé Léoric dans la folie ? Léoric a longtemps résisté aux tentatives de possession de Diablo, mais ce combat l'a laissé faible et désorienté. Quand son fils Albrecht a été enlevé pour recevoir l'essence du démon, le peu de raison qui lui restait a été anéanti. Il est devenu le roi squelette. Et ensuite, que s'est-il passé ? Il a pris la tête d'une armée de morts dans les tréfonds de la cathédrale et a fini par servir le seigneur de la terreur auquel il avait résisté de son vivant. De nombreux aventuriers ont tenté en vain de tuer le roi squelette. C'est finalement Aedan, le fils aîné de Léoric, qui a terrassé le monstre que son père était devenu. J'ai quelques... Je tiens énormément à tous mes objets, mais j'imagine que je peux vous en vendre un ou deux s'il le faut. Léa a passé toute la nuit avec la femme du forgeron pour l'aider à s'occuper des blessés.